Les premières notes de Your Song, un homme au piano en ensemble blanc, arborant un chapeau haut de forme immaculée et un boa violette autour du cou, portant des lunettes bleues en forme de flamme. Est-ce qu'Elton John était sur le plateau de Miss France 2023 à Châteauroux, samedi 17 décembre? Retirant ses lunettes excentriques, le présentateur Jean-Pierre Foucault a rapidement mis fin au suspense en direct sur TF1, Elton John, ce n'est pas moi, mais si est-il la star incontestée de la pop, alors faites comme lui et moi, sortez les strass, les paillettes, chaussez vos grosses lunettes, montez le son quand les Miss font leur cinéma sur le film Rocketman, dédié à Elton John. Ouais, ça déménage. Sur ces paroles enjouées, une ribambelle de Miss Cest est lancée sur la piste pour un nouveau tableau chorégraphié. Côté téléspectateur, l'imitation d'Elton John par Jean-Pierre Foucault a fait réagir. Le septuagénaire a été élu d'office Miss France 2023 pour cette performance par des internautes Twitter, qui soulignent qu'il s'agit du meilleur moment de la soirée. J'ai accepté tout de suite auprès du Parisien, quelques heures avant le show qui s'est concrétisé par le sacre d'Indira Ampio, la Miss Guadeloupe, l'animateur racontait les coulisses de cette séquence, quand Frédéric Gilbert, le producteur de la soirée, m'a proposé de le faire, j'ai accepté tout de suite. Lorsque je présentais l'émission Les Années Tubes, il y avait des petites scénettes où j'étais déguisé quand je lançais les chansons et j'adorais ça. Jean-Pierre Foucault a rappelé d'ailleurs avoir réellement croisé la route du chanteur Elton John, je l'ai accueilli dans Sacré Soirée, je me souviens que sa maison de disques avait mis des fleurs blanches partout. Elle était très inquiète et voulait éviter qu'il ne se fâche comme tous les grands artistes qui venaient à Paris. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran TF1.